Hello tout le monde, c'est Silent et on se trouve sur Binding of Isaac Repentance. Est-ce qu'on va réussir à mettre The Lost au placard? C'est la question que tout le monde se pose et bah on va tester. On va tester de le mettre au placard. Ah la run, je vous jure, elle était hyper stressante les gens. J'étais pas bien. Contre le dernier boss, je me dis merde, j'ai pris un coup à la première phase, j'ai fait n'importe quoi. Après, putain, mais j'ai mis tellement de dégâts là pendant que j'esquivais les super rayons, du coup, je me suis dit. Balance Algiz, colle-toi lui, balance toutes tes bombes, réfléchis même plus quoi. Parce que Algiz il dure super longtemps, je crois que c'est du 20 secondes voire 30 hein, donc vous avez Algiz les gars, ça va, tranquille quoi. No stress. Oh putain de merde. Sinon, est-ce que vous avez passé une bonne journée les gens hein? Est-ce que tout s'est bien passé dans votre journée? Tout est bien passé? Bah c'est excellent ça. M'en raconter des choses, mais c'est incroyable. Ah mais il faut vraiment parler devant votre écran les gars, si vous répondez pas je peux pas comprendre. Non vraiment, vraiment je vous entends. C'est pas une vidéo, c'est un live. Clin d'œil. Aïe. Allez, bam, s'il te plaît. Ouais. J'hésite. Switch, ta mère. Ah, ça commence mal. Aïe. Bon, de toute façon, je me mets là et ils arrêtent de bouger. Hein. Aïe, ça pique. Caca au niveau de l'IA, ils s'en foutent que tu puisses être touché ou pas, ils vont foncer quand même. Ok, une collision de merde et que ça passe au travers du machin, je suppose. Allez. On va quand même aller checker la salle secrète. Pif. Paf. Et pouf. Ouais, pour moi elle est là. On va juste voir de l'autre côté pour être certain. Ça va être le cas. Coucou, au revoir. Marchand, il vendait quoi déjà? Ouais. Pas fou comme premier étage pour le moment là. Aïe. On va devoir le reroll hein. Si j'ai rien, hein, c'est rien, c'est un reset en direct les gars. Commencer le premier étage avec zéro item, ça vaut même pas la peine quoi. Arrête de faire le con par contre, te suicide pas avant d'avoir vu ce qui se passe, ce serait con. Pas un boss difficile, non. Arrête de rush, chiant. Voilà, fais des larmes. Fais des larmiches, voilà. D'accord. D'accord, mort. Gimme mort. Ok, doucement. Eh oh, je vais pas mourir non plus. Alors on le prend juste par principe. Voilà, on vole, on est content. Et 3, 2, 1. On a littéralement rien eu à cet étage. Ah putain. Bon c'est pas grave, on peut avoir mieux à l'étage suivant. Dross. Qu'est-ce que tu me réserves toi? Ouh. Alors attention, voilà, on tuait au moins 3 avant de ramasser l'objet. Parce que je vais pas me faire attaquer pendant que je le ramasse. Allez hop. Oh non! Attends, mais. Du coup, avec The Lost, ça. Oh là 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 là. Ok, c'est pas fou tout ça, les gars. J'aime pas du tout Tiny Planet. Oh là 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 là.
ça s'annonce pas bien tout ça. Donnez-moi la brimstone rapidement. Sinon, je vais pleurer toute la journée. Oh là 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 là. Mon dieu. Ça a pété, ça a pété. Tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je fasse quoi? Avec Tiny Planet là, sa grosse daronne. Putain. Bah ouais, bien, 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 bien. Fais le malin. Aïe, 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 aïe. Ok, s'il te plaît, du lourd. Ouais, bon. C'est pas fou, mais testons. Je vendrais bien la carte à Card Against Humanity, mais... pas la thune. Il est bon pour trouver la salle secrète, donc c'est un peu chiant. Allons faire le boss déjà. Ah, s'il me réserve quelque chose de bien. Ah, c'est un étage XL. Donc pas que dès le premier étage, ça peut être sympa ça. Ah, focus 1 déjà, voilà. Fume le deuxième. Ouais. Ok, on va essayer de faire une salle juste pour reload l'objet. Comme ça, on peut reload l'époque ou alors l'item qu'il me propose. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Ah, ça c'est cool aussi. S'il te plaît, du lourd. Bon, au moins ça se joue. Au moins ça se joue. Allons au boss, on s'en ira essayer de trouver notre petite bombe pour retrouver la salle secrète qui est un petit peu très visible du point de vue où je suis là, ça a l'air très compliqué de la trouver. Allez, fais-toi magnétiser tes propres trucs dans la gueule là, ça me fait plaisir. C'est tellement drôle les Magnetic Tears. Oh. Oh oui, oh oui. Ouais, je le prendrais bien. Hein. Tier size et range up. Oh, c'est pas le pire. Ok. Pando. Pando au premier étage, je sais pas ce qu'elle fait en fait. Vite, ouvrons tout ça. Pandora. Ah mais attendez. En fait, je peux la ramasser. J'ai mon tracker qui est ouvert, donc je peux checker. Alors. Deux Soul Heart à cet étage, donc c'est nul, on va le reroll. Please. Excellent. Excellent. C'est un des meilleurs trucs qu'on peut choper avec ce perso. Et si d'ailleurs on arrive à se transformer en chat, bah c'est le feu. Hein. Franchement, premier étage, excellent. On a déjà le masque infamie là pour se protéger de devant. Ah non, from any direction. Ah, c'est pas forcément devant, c'est le shield qui protège automatiquement de devant. Lui c'est from any direction. Putain, c'est... c'est fort, après c'est basé sur la chance, donc de nouveau... Écoute... J'aurais pu le laisser pour le reroll, maintenant que j'y pense. Bon, c'est pas trop grave. Waouh. Ok... Écoute, on va le claquer au cas où il y a peut-être la salle secrète qui est par là. Voilà, ça fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Reroll, nul. C'est pas grave, ça nous fait un livre, un truc de Guppy dès le premier étage, c'est vraiment pas mal. Donc salle secrète, comme je dis, potentiellement là. Ah, on a rien dit.
Regardez ma thune, regardez mes bombes. Merci, au revoir. C'était cool, c'était vraiment cool d'avoir essayé. Waouh! Une arène sanglante. Ouais, ça peut être sympa. C'est pas forcément le truc que je voudrais, mais ça peut être sympa. Ça va toi ou. Non, mais oh. Bon, je peux entrer sans autre là. C'est quand on sort qu'on prend les dégâts uniquement, qu'on vole. Let's go. Est-ce que j'ai envie de reroll ça, les gars? C'est la question. Je me tâte. Oh. Allez, pour les dégâts. Au pire, ça me fout dehors avec, avec un point de vie en moins, donc c'est pas trop grave. On a déjà eu du damage up, on a eu du tears up, ça c'est cool. Les larmes qui reviennent sur lui, c'est tellement cool. Bon, ok. Je fais un peu le bolos moi. Attention. Oh là 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 là, ce boss. Phase 2. On essaie de focus le même, c'est possible. Ok. On va éviter de perdre une stack du chat. Ce serait cool de la garder au complet. Ah voilà. Nickel. Petite clé, petite carte strength qui va être utile. Salle d'or qui est juste là, ça c'est bien. On a une bombe. Ah, il va nous en falloir deux au passage, hein, de bombes, vu qu'on est directement à Dross 2 en fait. Maintenant que j'y pense. Ok, on va finir ces merdiers là d'abord. Voilà, fallait pas me saouler avec les mouches là. Let's go. Ok, s'il te plaît, du lourd. Que c'est pas mal, ça fait spawn des trucs, non? Familiar spawn, a charmed enemy on it. Je vais prendre les deux. Écoute, on va le prendre. Il bait, hein. Enfin, il tank un peu, donc pourquoi pas. S'il peut me prendre l'aggro de temps en temps, faut pas dire non. Hein. C'est marrant, on a 33% de chance d'avoir l'ange. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir 33% de chance? Pinky Eye, que j'aime beaucoup. Chaos, wow, là les gars. Là les gars, c'est... Ah ouais. Ah ouais, quand même quoi. Scapegoat qui tente comme un dieu. Ouais, 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 c'est compliqué tout ça là. Oh putain de merde. Ah, bah une famille caproc. GG à lui. Ah, mais c'est peut-être quand un ennemi lui tire dessus, ça le charme l'ennemi et ça crée un familier en fait, le petit off. En fait, c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois. On a deux bombes, je me sens assez confiant pour le faire péter maintenant. Plus de check la salle secrète au cas où elle est derrière. Bon, ça augmente un peu les chances d'avoir Satan et l'ange aussi, c'est bien. Toujours bien. On va faire le boss, vu qu'on a le dé qui est chargé. Ok, let's go. Ok. C'est vrai que je vole donc je m'en fous. Il a qu'à tourner. Ça lui fait plaisir.
Oh là là, le pauvre. Oh là 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 là. Oh là là, les larmes. Magnétisé là. Mais tu dégages toi, sac à fesses là. Ouais, je suis pas très confiant là maintenant. Je fais un peu trop le malin, je dirais. Ok, on va les tuer parce que quand il les pousse de manière random et que ça me tombe sur la gueule, c'est pas cool. On va le finir, on va le finir, on va le finir. Ah, dommage. Waouh. Ok, on viendrait le reroll à nouveau. Mais j'ai surtout dommage pour le pacte. Pas de pacte, pas d'ange, rien. Pas dommage tout ça. Ok. Alors, le couteau, on en a pas besoin. Donc, on va le switch sans hésiter. En espérant avoir quelque chose de bien. Ah, parce que là même, on l'a fait. Hein, donc, là, c'est direction de Beast, les gars. Quel enfer, ils invoquent tellement. On n'arrive pas à les taper hein. On n'arrive pas à les taper, on n'arrive pas. Mon dieu. Mais quoi, il y avait... Quoi? Mec, j'ai même pas pu voir. C'est quoi, c'est ça qui m'a tapé? Mais c'est moi qui l'ai invoqué le machin a priori. Oh là là. J'ai pas capté c'est quoi qui m'a tué, j'ai pas vu du tout. Pas grave, on a 8 vies, mais quand même, j'ai envie de les garder pour le dernier boss plutôt, les vies. Ah, mais ouais, surtout que. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Les vies, elles se. Ça reset pas la salle du boss en fait. Putain, j'avais oublié ce détail. Ah, nick. Là, y'a rien normalement. Ouais, c'est vide. Ouais, du coup faut garder le plus de points de vie jusqu'à là-bas hein, les gars, hein, parce que ça reset pas les fights, c'est trop important. Trop important. C'est comme si j'avais 8 points de vie au final quoi. C'est Goat qui prend l'aggro comme un champion. Je vais re-switch de l'autre côté du miroir, retenter de refresh, enfin refresh, de changer l'item du boss. Comme je dis souvent dans mes vidéos, mettez-vous bien dans les runs. Et du coup, vaut mieux jouer de manière réfléchie, surtout avec ce perso, les gars. Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Au passage, on va drop un trinket. Bon, latchkey, ça augmente la lock de 1. Ouais, vas-y, ça donne 2 clés. On prend. Non, ça on le laisse. T'arrêtes de me cracher dessus, toi, imbécile. Arrête! Je te vois. Je sais que ça lui plaît là. Tirer dessus là. Il est salaud. Oh, viens ici, The Lost. Alors. On en est où nous? On est au point où c'est un peu la merde. Il y a une run qui commence très bien. Et là, ça s'essouffle un peu. J'ai l'impression dans cet étage. C'est un peu dommage. Bon, on a eu de la survie un peu à gauche à droite aussi, donc c'est pas plus mal. Enfin, moi que ce boss il me loot du lourd là, je pense que ça pourrait m'aider. Allez. Ah, les magnétiques tirs, c'est vraiment n'importe quoi, les gars. Ça me fume. C'est trop drôle. Le boss, il est vraiment en mode, mais please, laisse-moi te toucher. Cool, blood clot. Ah non, c'est vraiment plus 1 de dégâts perma, blood clot, et plus de range au deuxième tir à chaque fois. Ok, je pensais que c'était l'inverse, mais non. On a 3 bombes, on pourra checker encore une fois la salle secrète au passage.
Espérons y avoir du lourd. Tac. Besoin d'eau. Hop, grimpe la bouteille. Strength c'est fort, ça augmente beaucoup les dégâts. Ça rajoute un point de vie aussi normalement, mais ce perso n'a pas de point de vie. Ce perso est mort de base. On fait péter deux trucs là. Ah! Quand je dis que je vais utiliser mon cerveau, il y a un trinket à ramasser. Par là. Bon, on va regarder les Poisoning Tears. Moi j'aime bien. Puis l'autre machin, je sais pas vraiment ce que ça fait donc. On peut vite aller lire. Hein. Golden Horseshoe. Alors je vous le dis en live. Golden Horse. Alors, plus 15% de chance avec deux items de spawn en subsequent floors. Ok. Ah. Donc, on a plus de chance d'avoir deux items dans une room et on peut que prendre un des deux. Donc, nul. Juste nul en fait. Soit tu me laisses prendre les deux, soit tu me fais pas ça en fait. Donc, Pinky Eye qui a 10% de chance de lancer une tire empoisonnée à 0 de chance, je crois. Et ça s'incrémente au fur et à mesure que bah, vous gagnez en lock. Et à 18, vous êtes au max. Et du coup, 100% de chance à chaque larme d'empoisonner. Ce qui est sympa. Allons faire le long couloir. Ok, une arène. On va lui péter dessus. Aïe, 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 le pauvre. Allons voir ce qu'elle nous réserve. Ouais. Dommage. C'est pas perdu hein, non plus, mais dommage. Ah, attaque mon scapegoat toi. Aïe 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 aïe. Pas moi, le scapegoat. Quel enfer, elles sont en train de s'attirer l'une à l'autre. Ok. Ouf, putain de merde. Putain, mais j'aime bien faire des salles risquées, moi. Oh là là. J'ai bien dit pourtant que j'ai pas une perte de points de vie, enfin des res quoi. C'est trop important pour ce perso quoi. Ok, on va se mettre là. Pas mourir. Putain. Solide le machin. Je le considère plus dangereux que l'autre machin. C'est bien, c'est bien. Tape le... Non, 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 tape le scapegoat. Il est gentil. Pas moi, pas moi. Moi, je suis méchant. Ok. Ouais, bon, on va prendre à droite, hein, je pense. Hein. C'est cool les bombes, hein, mais non, merci. Bon. amélioration de bombe ou amélioration de bombe, que voulez-vous les gars? J'aurais pu faire le boss. J'aurais pu faire le boss. Ouais, clairement, ça aurait été plus intelligent de faire le boss, je crois. Aïe, 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 fait chier. Ok, les deux restants. Chiant en termes de design ces persos là. Ce sera pas guide parce que mis comme ça, ça peut pas être guidéant dans ce longueur. Ça déjà ne pas avoir de guidéon, c'est un bonheur. Ah, attention, ça va invoquer des mouches à la con là. Ça va péter les gars. J'ai prévenu. Bon, nice. 3 sur 4, c'est pas mal. Aïe. Elle dit qu'on n'est pas perdre de points de vie, donc on y va mollo.
Ok, petite dernière. Ok, Binky c'est pas mal, ça fait des tirs up. Je vais prendre ça, hein, je pense, c'est clairement trop fort en fait. Ah c'est clairement trop fort, parce que ça me fait un pacte à chaque étage et au moins ça vire toute la merde qui sert à rien. Ah les gars, y a pas photo, hein, c'est clairement au-dessus. Et ça me fait un book en plus, je sais pas si j'en ai déjà eu un. Ouvrons le tracker et remettons tout ça correctement. Alors, c'est mon deuxième book en plus, donc non, c'est vraiment high tier là. Bon là, ça a rien d'utiliser, donc on va le garder au chaud pour le prochain étage, ok. Ouais. Oh, je sais pas ce que c'est les petites couilles dans le sac là. Ça m'intéresse maintenant. Je veux les couilles dans le sac là. Je les veux. Ah, ça se craque numéro 2. No. Deuxième essai. No. Ah, qui est au marqué. No. Bon, Champignax. No. Champignax. Ah, mais tu l'as pas touché, Silent, t'es débile. Hop. Voilà. Et le dernier. Excellent, mes trois mouches, c'est ça que je voulais. Ouais, ça le secret a l'air d'être là. Non, qu'elle peut pas être là. Elle peut pas être là non plus, donc elle doit être par ici. Il faut qu'on check cette salle d'abord. Attention, les pins. Donc on n'oublie pas, on a 8 res là. C'est pas trop mal. Mais du coup, depuis qu'ils ont changé la Bible satanique, c'est trop fort sur The Last en fait. C'est vraiment exagérément fort quoi. C'est. Tant mieux, hein. Mais qu'il est. Ceux qui sont meilleurs que d'autres, hein. Mais waouh. C'est dingue. Escape God qui tank comme une folle là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Highest Plus Plus, c'est le Stomp. Écoute, on va tester la salle secrète avec ça. Ah, je crois que je l'ai décalé. Écoute, on va le faire le tour. Et on va faire de l'autre côté. Ça n'a pas 36 000 solutions, elle est forcément là, je pense. Hein, donc, let's go. Yep. On récupère notre petite bombe. Ok, on va le faire sauter, lui. Merci pour la pièce. Allez, salut. Bon, on n'a pas un bull qui fait win hein, pour le moment. Loin de là, hein, loin de là. Mais on a un bull qui fonctionne. C'est différent. C'est pas auto-win. Donc on claque ça. Bim. Donc là déjà, pacte obligé à la fin du boss. Donc ça c'est cool. On espère choper du lourd. C'est ça qui est le plus important. Du lourd. Et on a déjà mis un trinket dans la salle du boss, hein, je crois. Hein. Pas sûr à 100%, mais je crois. J'aime pas trop ça là quand elle s'attire comme ça. Ça va péter. Ok, on a bientôt assez de pièces pour ouvrir le marchand et avoir quelque chose d'intéressant à acheter. Attention, attention, on veut pas perdre les points de vie, on veut pas perdre les points de vie. Tranquille, tranquille. No stress, voilà, celui-là. Bim, et voilà. Allons voir dedans, on sait jamais. Ok, ça m'intéresse, ça aussi. Dommage. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des mobs dans ce bouton là. Je sais pas si c'est moi, mais peut-être pas de chance simplement. Alors, salle dorée. Ok, j'ai été touché, pourquoi pas. C'est intéressant en tout cas comme mécanique, je sais pas c'est quoi qui m'a touché. Alors, les méga bombes c'est super fort. Mais je crois que je vais prendre la petite spider à droite là. De base ça slow, ça pleure avec nous et quand on prend un coup ça sort de nous et ça fait des dégâts et ça slow, ça jump de partout, c'est bien. J'aime bien moi en tout cas. Elle a pas la meilleure des cadences de tir hein, mais juste le fait qu'elle nous aide à pleurer, c'est bien, ça fait une source externe de dégâts supplémentaires.
Ok. Ok. J'ai déjà claqué ma bulle satanique, hein, donc j'ai plus besoin de l'activer pour cet étage. Faut juste l'activer une fois, hein, tranquille. C'est à cet étage qu'on doit switch. On doit reprendre la route normale. On a cette thune pour le marchand. On va le voir sans hésiter. Voilà, scapegoat qui tank, mais comme Jaja. Let's go. Dommage. Des points de vie supplémentaires, hein, les gars. Pas fight pour rien, quoi. Ça sert à rien non plus. Forcer le fight pour le fight, c'est pas bon. Ça va péter, mon pote. Ok, on a la salle du boss, on a le marchand, on a tout qui est ici. Ok, c'est mort. Bah allons marchand. Bah ça me sert à rien mais prenons ça. Alors encore deux marchands donc. Ouais. Dommage parce que maintenant je suis en train de me dire que la Bible satanique elle servira qu'à cet étage. Ah non, ouais à cet étage. C'est après un mom, du coup c'est Polaroid et après c'est la Dad's Note. Ah oh, c'est dommage. Du coup ce serait bien de la virer, bon. Bon bah le classique, hein, Gideon est tout le temps à cet étage de merde. Beaucoup trop long et trop chiant comme boss. On n'a pas de choix, hein. Il s'est abonné à cet étage, du coup forcément il a le pass premium pour être boss tout le temps. Un peu casse-couille, pas vous mentir. T'arrêtes de m'attirer toi du con. Ok. Pas tarder à tout casser au milieu normalement. Paf. Waouh, on manque quand même un peu de dégâts. Waouh, j'ai pris un coup. Ah non, j'ai pas envie de recommencer tout ça. Hein. Ah non. Déconne pas, Silent, fais pas le con. Waouh. C'est nul, c'est vraiment nul. Alors, juste faire un truc, c'est just in case, on drop ça. Normalement, je l'ai fait. Mais vaut mieux sécuriser le truc et le faire une deuxième fois. Au cas où. Voilà, juste au cas où, pour que je sois bien mentalement. Eh. Puis on va aller voir la salle secrète qui... pourrait être potentiellement... Ouais, il y a encore deux endroits, trois, deux... deux endroits possibles, je dirais. Donc ouais, elle est forcément là-bas. En haut à gauche de la salle du boss. Donc ici, on a testé. Elle pourrait être ici aussi. Elle pourrait clairement être ici. Bon, testons là déjà. On en a que faire, on a trop de bombes pour le moment. Eh ? Ah mais elle peut être là aussi. Comme je l'ai dit, hein, parfois le cerveau il veut pas. Hein. Ok. Eh ben, barrons-nous. J'avais tué le marchand ou pas ? J'ai en train de me dire si je l'ai pas tué, je suis vraiment un con. Je suis vraiment un con. Ah, je suis déçu de la Bible satanique, quoi, parce que du coup, un étage d'utilisation, quoi, c'est pas... Ah, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. Bon, espérons pouvoir la switch ou choper un autre book, au moins, histoire qu'on se dise que ça n'a pas été vain. Ah, j'aurais pu rentrer là-bas. Bon, c'est pas grave, on y va maintenant.
Oh non. Oh non, pas ça. Fucking pin qui me spawn dessus, quel plaisir. Vous voulez pas attaquer la scapegoat par hasard? Ah voilà, comme ça. Pas moi j'ai dit, la scapegoat, voilà, lui il a compris là. Putain, on va se mettre là et ne pas bouger. J'aime pas du tout ça. Bon bah ça rien, mais voilà, on a un super livre hein, les gars. Key bomb, pourquoi pas. Ouf. Ouf, on a pas de bombe. Ouf. Pas crever là-dessus, c'est simple, c'est simple. Fais chier, elle a pu s'escape. Qu'est-ce qui se passe avec mes larmes? Ah, mais parce que... Lol. Elle me suivait en fait, et du coup, ça, vu qu'elle était magnétisée, ça a attiré mes larmes. Un peu fucked up. Hein. Bon, marchand, tu te fous de ma gueule. Il en reste un autre, mais tu te fous de ma gueule, clairement, quoi. Ah, non, non, à 3 pièces, vas-y, 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 vas-y. Juste pour la bombe, ça valait la peine. Allez, 4 coffres à péter là-bas. Non, pas envie de mourir. Pas envie. On y va doucement. Voilà, on fume les larves, on vole, on peut tirer à travers les walls. On se prend pas la tête. Voilà. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais... la carte full là-bas dans le coin, j'aimerais bien qu'il y ait une mouche qui... Les gars, là-bas les mouches, là-bas. Fait chier, bon. Au moins on a cassé le truc. On utilisait de bombe, disons. Hein. On pourrait déjà la faire. Ouais, on pourrait déjà la faire. Let's go. Où marqué là? Ah putain, le. Oh là 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 là, j'ai joué comme un cul. Le auto-hit qu'elle m'a mis directement, la salope. Mais comment ça se fait qu'elle est middle life? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Mais quoi? Elle m'a shooté dans l'œil, mais please! Je la sens pas cette run. Je viens de perdre 2 points de vie, 3 là-dessus, non? 3 dans cet étage. Elle est vraiment nulle, hein. Oh putain! Attention. Mais qu'est-ce que quoi? Il y avait une larve! Vas-y, nique-toi, je cherchais la salle dorée, ça m'a saoulé. Oh putain, je fais n'importe quoi! Ah, ça me saoule! Ah, je suis vraiment vénère. Putain! Oh, c'est une salle qui reroll. Je crois que je le fais. Ok, au moins on a plein de bombes pour les coffres là-bas. Ah mais ça reroll tout. Ça reroll tout, les coffres ils ont été reroll en des trucs pourris du coup je pense. Ah. SMB. Ok.
Ok, on augmente un peu nos dégâts quand même. Et notre survie, bien sûr, ça rajoute un point de vie. Nope. Les gars, la carte de foule, je l'ai. Je l'ai mise où? Les gars, la carte. Ne me dites pas que je l'ai drop et que c'est la Switch. Ne me dites pas ça. Ah non, ah non, ah non. Je l'avais pas sur moi la carte. Pourquoi je l'ai pas sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 ça pue la merde dans tout ça. Ça sent la magouille là, ça sent la magouille, ça sent la magouille. J'ai dû la drop en ouvrant un coffre et en lootant notre truc, je crois, je sais pas. Oh putain. Oh putain, elle était là, je suis sûr. Ça va continuer, hein, ça sert à rien. Oh putain. Ah, 40 minutes pour ça, mais c'est chiant. Tant pis. Ah putain, fait chier. C'est reparti, hein. Ah, ça fait chier, mais. La frustration. Vous connaissez ou pas? Moi, je connais bien. Ok, Conehead, c'est pas mal. Ça nous fait un incroyable style quand même. Faut tuer les mouches et faire une réaction en chaîne d'explosion. Si on y arrive, hein, bien sûr. Voilà, merci pour l'aide les mouches. Alors notre salle dorée directement là. Ah je suis un peu salé quoi de ce qui s'est passé. Ouais, plus de leur bill. Let's go. Donc les rainbow tears hein, simplement. Let's go. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vachement bien pour ce perso. Je suis hyper content. Franchement, c'est ce que je voulais. Parfait ça. Alors, on aime sauter à la gueule, je m'en fous. Par contre, toi, je veux que tu pètes vers le bas. Donc, on va faire un petit tour tranquille. Je te mets un coup ou deux. Et let's go. Ok. On fait ça. Ok, on a testé les deux possibilités, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'ils ont tellement amélioré les tirs auto-guidés quoi, il me les faut quoi. Ah, shielded tirs. Il y a une araignée là-bas dans le coin, elle fait sa sieste, elle s'est dit j'ai pas envie de boucher, j'ai pas envie, laissez-moi. Alors. Bon, ça a l'air d'être fortement là. Sympa ça les gars, on s'éclate hein. Et regardez-moi ça, ils ont l'air tellement heureux dans leur vie. Le tas de sel, les gars, y'a rien d'autre, y'a rien d'autre, y'a que du sel, putain, dans ce jeu. Pin. Viens à moi, mon petit Pin. Oh, t'es si beau. Tu es si fort, Pin. Ah, dommage. Bon bah c'était cool Pin, merci de passer. Speed and range, ouais vas-y, vas-y, vas-y. Disons que c'est jamais ma mauvaise les seringues parce que déjà si je reroll, bah, je le perds potentiellement. Ou alors je le transforme en point de vie supplémentaire, chose que je n'ai pas envie. Ou alors, encore pire, ça devient des HP up. Je préfère le perdre qu'avoir des HP up qui spawn quoi. Vas-y. Ah, dommage, dommage. C'est pas grave. On a récupéré notre clé.
Let's go. Bim bim bim, les clous. Super pipi. Oh, not them, not like this, not like this. Oh là là, bon, on va tuer le mob déjà. Sinon, il va m'en invoquer 10 000. Ok. L'auto-aim, l'auto-aim, s'il te plaît, fais des miracles. Ok. Putain. C'est quand même pas mal la tuerie de l'arbitre. Hein. Normalement, la plupart des trucs, vous êtes bien content que ça se propage, quoi. C'est assez sympathique. On va aller faire le boss directement, comme ça on peut profiter peut-être de plusieurs rerolls de dés. Ok, ça c'est mon super pote là, je l'aime beaucoup. Bim 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 dans sa gueule. Ok, les clous. Fracasse, on fracasse. Attention. Putain, mais à chaque fois je fais la même merde avec ce truc. Oh putain, je l'avais pas vu, mais je suis... Ah, ça me fume le cul. C'est cool. Reroll. Cool. Ah ouais. Ah ouais, que de la merde. Bon, c'est un étage XL. Je sais plus si c'est un activable ou pas, du coup j'ai peur de le prendre. Même pour le troll. Ah! Ok. Je sais plus ce que c'est. Mais ça embarque le reroll. Bon, prenons. On va prendre le truc aussi. Je sais pas si c'est bien. Je sais plus ce que ça fait. Je sais plus. Lil Spear. Ah ouais, bon, ça va. C'est pas le pire. C'est pas le meilleur. Viens là, viens là, viens là. Voilà. Bien vu ça, bien vu, chapeau l'artiste. Salut, ça se passe? Bah, l'air d'être en forme, hein. Se porte bien. Vas-y, vomis-leur dessus, Lil Spewer là. Excellent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, lui il switch à chaque fois de forme quand on prend une pilule, donc faudrait que je le mette en forme. Oui, il fait le truc qui slow, j'aime bien. Aïe 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 aïe. Let's go. Aïe. On laisse surtout pas créer des fucking araignées, sinon c'est la fin. Enfin, c'est pas la fin, mais ça va être plus chiant. Ok. Prenons. Excellent ça. Excellent ça. C'est pas mal. Boss numéro 2. Bon, après le Lisper, il arrive pas à le toucher.
Ah, bah. Marbles, ok, allons voir déjà ce qu'il nous propose lui. Je sais pas comment elle marche la petite couronne sur The Lost. Devil. Deal Isaac. Alors, si j'ai la poule d'items. Parce que je sais pas trop comment elle s'appelle cette couronne. Crown quelque chose, je suppose, mais. Dark Princess. Alors. This item does not affect the Lost. Ah bah super quoi, je suis vraiment content. On pourrait prendre ça et le reroll. Boom. Please. Ok. Lusty Blood. On va faire le reste des rooms. Marbles, je sais pas si. Je vais vite voir Marbles aussi. Qu'est-ce que ça dit exactement? C'est quand on prend des coups. 5% de chance to swallow. Ah ouais, c'est vraiment bas. Waouh. C'est vraiment bas. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Ouais, bon, moi, ça fait mes deux items. Ça m'en fait un pour la run. Dégage, dégage, dégage juste. Vraiment le truc que j'ai eu là, le deuxième truc que j'ai reroll, excellent. Alors on va juste faire ça. Merci. Au revoir. La salle secrète numéro 1, on l'a trouvé, donc ça sert à rien de faire péter ça. Ça on veut. Caillou gris. Ok. Ouais, je pense que je vais prendre Marbles, ça fait 3 trinkets, il y en a un que je garde, le reste je laisse là-bas, ça fera des cracked keys, donc comme ça on est tranquille, pas de prise de la tête. La pilule que j'ai laissée, elle faisait quoi? Je sais même pas, je l'ai pas prise. Speed down, bon. On a le petit Lil Guichet avec nous maintenant. Par contre ça va être une des vidéos les plus longues que j'ai faites je crois, hein, vu que là je suis encore à combien de temps déjà? Je suis à 52 minutes, hein. Bon c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. J'aime bien faire des runs longs de toute façon. Moi ça me déplaît pas. Alors du coup on le prend, ça plaît un bon trinket. J'ai la stong, ça va pas me servir. Ça, ça fait les effets aléatoires de n'importe lequel des worms, ça peut être sympa. Bon dans le lot c'est le meilleur, hein. Le reste me sert à rien. J'ai la stong, ça fait rien du tout. Judas Stone, je crois que ça réduit les coûts en points de vie de 1. Ouais, ça peut être sympa. On finit peut-être l'étage et on ira le récupérer. Bon, là, avec ses larmes, j'arrive pas à toucher, donc on va attendre que ça switch. Ta mère, toi! Je t'ai vu là, avec tes conneries. Ah, je sais pas si ça vaut la peine de garder ce petit serpent là qui fait n'importe quoi à mes larmes. Hein. Je sais pas. C'est rigolo, mais ouais, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir du perma-random. C'est peut-être un petit peu trop trolly. On va le loot. Trop dangereux. En fait, j'ai fini par faire n'importe quoi avec, donc ça vaut pas la peine. Pourquoi j'ai pas été ouvrir la salle dorée? Parce que j'avais pas de clé avant. Et du coup, je sais pas backtrack au moment où je l'ai vu. Bon, c'est pas grave. Enfin, maintenant. Il y aura du lourd là, je sais qu'il y aura du lourd, regardez ça là, bam. Je crois que ça c'est ok. Metal plate, ça fait déjà quoi? Chains to defect enemy projectiles. Ok, c'est une chance de renvoyer les projectiles ennemis. Une sorte de protection disons pour moi. Pas ouf. Tant pis. Pas avoir tout le temps des trucs de fou. Donc on va déjà faire ce boss là. Aïe 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 aïe. Ah chier. J'ai un boss qui est invoqué parce que comme ça j'aurais pu. Profiter de mon truc qui augmente. Mais qu'est-ce que tu me fais toi, rush comme ça là? Hey, il a pété un câble Wormwood. Oh moi je reste loin maintenant. Mais what bro?
Il va attaquer là. Allez, sors. En fait, je crois que c'est le slow, ça lui fait vraiment une IA complètement dégénérée, donc on va éviter de trop l'appliquer sur sa gueule non plus. C'est pour me foutre dans la merde. Aïe 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 aïe, du caca putain, y'a que du caca. Bon allez, on va aller faire la reine sanglante. Tears up et shoot speed up. Bon, il invoque rien, dommage. Aïe 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 aïe, Rainmaker, je t'ai pas dans mon cœur toi non plus. Mais ta mère. Attention, 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 attention. Tranquille, tranquille, tranquille. Laisse-le invoquer des larves, tu les larves, tu les larves, tu les larves. D'abord, faut augmenter les dégâts, voilà. On augmente les dégâts, on est content. Invoque les larves, tue la larve. Ça le veut bien, elle est invincible là. Ok, on a augmenté pas mal les dégâts. Fumons-le, sa grosse daronne. Voilà. C'était pas si dur, non? C'était quand même difficile. On va re-reroll l'item du boss. Ah oh, putain, c'est infernal quoi, cette run. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va quoi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, ok. Ok. Au moins c'est pas perdu quoi. C'est pas des points de vie qui partent dans le vide là. Non, parce qu'à un moment c'est épuisant les points de vie quand même. Faut pas déconner quoi. Alors, j'ai un en spoon, un en guppy et un en bookworm. À tout moment, je dis bien, partir en couille. Ah ouais, stylé. Stylé cette salle, j'aime beaucoup. J'ai jamais vu ce genre de salle. On a failli trop la game à l'instant même. On a un petit cadenas. Bombs are keys. Ouais, mais non. Quoique. Ouais, on va garder ça pendant un petit moment. Histoire de mettre quelques clés de côté. Aïe 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 aïe. Allez hop, switch. Bim, on fume ça, let's go. Nickel. Allez, s'il te plaît. Donne-moi pas de la merde pendant le fight du boss, je serais content. Et permets-moi de reroll cette merde aussi là, s'il te plaît. Deuxième livre. Let's go. Hein. Oh. Vous avez vu ce que ça avait fait la dernière fois cette carte, hein. Vous l'avez vu. Hein. T'as qui que j'avais fait ça? Avec Keeper, je crois. La violence. Non, on a peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose dans la main là. Là, on a peut-être une run intéressante. Allez. Attention, 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 ne trop pas la game, pas maintenant, pas maintenant. Pas après tout ce chemin parcouru là, on galère déjà assez. Putain de merde. Ok, Wormwood, viens à moi, sac à merde. T'es pas si proche, malade. Ouais, en fait, c'est quand il sort du slow, il fait un petit dash en avant, c'est une horreur. Regardez là, ouf, il fait un petit dash. Pas aussi proche, je t'ai déjà dit. Ça va pris. 1, 2, 3, 4, 5. Et le mur.
stapler, excellent, damage up, let's go. Bon, pas trop mal cet étage inversé, pas trop mal. Je suis en sueur par contre, j'ai vraiment les boules de Steron quoi, elle me fait paniquer, je sais pas pourquoi. Je sens qu'à tout moment, hein, à tout moment, on est sur un fil en fait, Exolost, hein, sur un putain de fil. Et ça peut le faire, la carte Carriot inversée là, c'est de la folie ce machin. Bombs are the keys. D'être sûr. Non, c'est le truc qui fait spawn des trinkets, c'est pas comme si j'en ai besoin. Donc non. On va drop ce trinket ici, parce qu'on va pas non plus trop déconner. On va récupérer l'autre. Hein. Non, j'ai pas envie de le récupérer celui-là. Oh putain, j'ai dessus de manière tellement innocente et mon cerveau a préféré. Non. Ah là là, je t'ai vu toi. Dommage. Allez, on se barre. Donc un livre en plus déjà pour qu'on proque le bookworm serait super bien. Rien que ça, ce serait déjà excellent. Ça nous passera au stade supérieur de la run. Ouais, parce que nos dégâts, ils sont un peu absents, on va pas se mentir. Gulp. Ah, du coup, j'ai... Non, j'avais pas trinket. Let's go. Ok, sale trésor. Quoi, c'est pas Bloody Rage? Attends, c'est Bloody Rage ou c'est l'inverse? Let's check. C'est pas anémique, je crois. Hein. Merde. Comment s'appelle cet item? Bloody Rage Isaac. Bloody Lost, ah, c'est ça. Bon, par contre, le wiki français a arrêté de me le conseiller, c'est de la merde. Bloody Lost. Damage increase as Isaac receives damage. Donc, je peux rien en faire. Prenons à droite. Excellent. Hop, c'est reroll. Hein. Et ça part dans le vide. Ciao. Ok, salle de boss, ça doit plus être très loin, je pense. Oh là 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 là. Let's go. Mah. Oh là là, le fameux. Il est tout le temps là, à chaque run, il m'insupporte cette merde. Mais qu'est-ce qui m'a touché? Putain! Laisse-moi partir. Oh putain! Allez, ciao. Ça m'a saoulé. Je m'arrête là, les gars. C'est bon pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'en peux plus, je suis... The Lost là est en train de me sortir par le petit trou là. Pouf! Allez, likez, partagez, commentez. Ciao, à très bientôt.